Bonjour. Un petit zèbre. Un vrai ami avec mes vrais amis de nos lives, mais c'est incroyable. Entre, Mathias, entre. Mais c'est incroyable. Je te fais un bisou. Un bisou. Vous aussi, petits amis de nos lives. Allez, dis donc, on fait pas la bise quand on arrive chez tonton Marcus. Allez, rentrez donc. Suivez Mathias. J'ai mis le... C'est là, c'est déjà en place. Oh, ça fait plaisir de te voir. Petits amis de nos lives, vous êtes mes amis, mais voilà mon vrai ami dans la vraie vie, monsieur Mathias. Non, on rentre tous dans l'appart. On rentre tous dans l'appart et vous êtes... combien sont-ils, Alex Pilote, les téléspectateurs de live? Est-ce qu'on le sait? Des milliards. Des milliards. Vous êtes des milliards. C'est un appartement qui fait 45 mètres carrés. Peut-être. Mathias a amené un jeu, mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Je ne sais pas. Veux-tu nous dire ce que c'est? C'est Mario et Sonic. Et Sonic aux Jeux Olympiques. Pourquoi ces voix de débiles? Parce que vous allez voir que dans le jeu, il parle vraiment comme ça. Non, surtout, en fait, voilà, j'ai demandé à Mathias de venir. Oui. Une petite mise en scène, hein, en fait, il était déjà venu en Vélib un peu plus tôt dans la matinée. Je te donne ma personne, pour moi. C'est vrai que tu as été un grand sportif, on en reparlera. Donc, j'ai demandé à Mathias de venir pour tester avec moi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur Wii, parce que c'est un truc à partager entre amis, évidemment. Donc venez, petits amis de nos lives, viens Mathias, allons dans mon antre. Vous connaissez la maison un petit peu maintenant. On va aller jouer en bas. On va se secouer les manettes, si je puis dire. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Et on va jouer à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Je vais le mettre là, tiens. Il faut que je charge les deux. Non, mais tu dois mettre ta dragonne. Ah oui, c'est vrai. Alors attention, petits amis de nos lives, regardez bien. Il faut mettre la dragonne, c'est très important, sinon vous risquez des trucs très dangereux. Mets ta dragonne. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs pour une fois, parce que j'ai failli, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai failli péter ma table en verre. Il y a une table en verre là, juste devant, vous la voyez. C'est du verre, et ben, en faisant un faux mouvement, j'ai failli tout exploser. Tu ne l'avais pas dit. Je ne te l'avais pas dit, ben, je te la prends. Alors, maintenant, hop. Et ben voilà, donc Mario Sonic aux Jeux Olympiques, tu es avec moi? Non. Êtes-vous avec moi? Allô? Peut-être il faut attendre de choisir en match simple. C'est quoi? Bah, c'est des Jeux Olympiques comme on fait depuis Décathlon, sauf qu'évidemment, Décathlon 1981, souvenez-vous, l'Atari 2600, hein, toute une époque. Et bah déjà, on secouait la manette comme ça, et on avait l'air idiot. Combien de joysticks as-tu cassé? J'ai un pote qui en a vraiment arraché un, mais c'était impressionnant. On a mis ça sur un espèce de pilier scotché, il a arraché le truc, ça a démis la manette du support de la manette, j'ai jamais revu ça. Bah là, tu vas voir que c'est un peu le même principe. Tu connais d'ailleurs, parce qu'en fait, on a déjà joué. On s'est fait une soirée avec des amis, on était quatre, je crois. Nous étions quatre. Ouais. Nous étions quatre, et Mathias nous a tous pilés. Parce que Mathias a fait de la gym quand il était jeune. Il a failli être prof de gym, Mathias. Eh oui, ça se voit, ça a plus le physique. Musculature. Voilà. Très imposant. Et en fait, Mathias est un ami énervant parce qu'il gagne toujours à tous les jeux. Et voilà, il en faut des amis comme ça, mais voilà, c'est des amis énervants. Alors regardez, on peut choisir les personnages qu'on veut, Mario et toute la bande, mais nous, on a choisi de choisir nos Mii à nous, puisqu'on les a créés. On va prendre les Mii qui sont sur ma console. Alors regardez bien, ça c'est moi, et ça c'est Mathias. Mais oui, c'est vrai. Là, c'est Tom Novembre, notre ami, Valentine, Féti, ma copine à moi, Xavier, Bertrand, tout le monde, Édouard Balladur, Jacques Chirac. Alors, eux viennent jamais jouer, mais on a fait leur mi pour rigoler. Ah, ils sont venus une fois, non? Jacques Chirac est venu une fois. Depuis qu'il est à la retraite, il vient plus souvent, d'ailleurs. Bah, moi, je vais prendre moi. Hein, on va commencer avec nos mi à nous, histoire de se retrouver. Puis on changera de mi à chaque fois. Parce que vous allez voir que ce qui est rigolo, c'est qu'on peut utiliser les mi qu'on veut dans les épreuves. Et les Mi, donc les Mi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, sur Wii, c'est des petites caricatures de personnages qu'on peut faire simplement avec un choisi le nez, avec la bouche. Avec trois fois rien. Avec trois fois rien, exactement. Et on arrive à faire des trucs ressemblants. Donc, par exemple, nous, ça nous ressemble un peu. Alors, quelles sont les commandes? Parce qu'on n'a pas joué depuis la dernière fois. Le Wii et la Nunchuk. Toutes les épreuves peuvent se jouer juste tu avec... Tu dis la Nunchuk, toi. Tu dis quoi, toi? Le Nunchuk. Oui, je redis le Nunchuk. Le Nunchuk, d'accord. Toutes les épreuves peuvent se jouer juste avec ça, vous n'avez pas forcément besoin du Nunchuk, mais c'est mieux quand même avec. Alors, marqué. Que faut-il faire? Et le Nunchuk. D'accord. Attention, précis. Quand prêt apparaît, maintient B enfoncé, donc ça c'est la gâchette du dessous. Et ensuite, quand c'est parti, on balance. Quand c'est parti, on relâche B et on cavale. Voilà, c'est tout simplement. Donc plus on va faire le mouvement vite, plus le mec va cavaler vite. C'est comme ça depuis 1981. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai moi et toi tu as toi. Oui. Alors c'est parti. Alors regardez, voilà le podium. Oh là là, on est au coude à coude. Est-ce qu'on peut voir nos têtes? On est en plein milieu, nous a mis au milieu pour qu'on nous voit bien. Ah ça c'est moi. Dans le couloir. Mais dis donc. Fabuleux, bel athlète. Je suis pas très ressemblant, je suis assez doué pour faire les mi, mais j'arrive pas à faire moi-même.
T'es pas mal, toi. Pas mal. On reconnaît les cheveux. Et puis... Ce petit air, hein, c'est ton petit air. Voilà. Allez, c'est parti. Et les autres figurants, évidemment. Non, ça ne va peut-être pas être que des figurants. Alors, on maintient pour chauffer. Et on part. Alors, regardez comme on a l'air idiot et comme on cavale pas vite par rapport à Mario et ses potes. Et regardez comme Mathias est en train de me... Vache, on est arrivé dernier, c'est vrai. Oui, on a été très bon. Ouais, c'est pas terrible. Donc là, regarde, là. Le ralenti. Et j'ai remonté sur la fin. J'ai remonté. Alors, Mathias a gagné. Dis donc, on a choisi un niveau de difficulté élevé ou quoi? Non, je crois que nous sommes mauvais. Alors, quand on joue avec ses amis, on s'en rend pas compte. On s'est peut-être pas trop rendu compte parce qu'il y avait que des joueurs humains, donc la course s'est passée un peu entre nous. On est parti à la ramasse. Je crois qu'on est parti très tard, en fait. Et regarde, Yoshi court comme un beau diable. Et là, je luttais pour te rattraper et ça ne s'est pas fait, finalement. On revoit le ralenti, voilà. Bon, ah, les récompenses. Toi, t'en mérites une. Je crois pas, mais... Voyons. Non. 7e et 8e, on mérite rien. Regarde, complètement abattu. Bon, bah t'as fait mieux que moi. Quand je vous disais que c'était un ami énervant. On va choisir une autre épreuve, on va tenter le 110 mètres F. J'adore. T'aimes bien? Bon. Alors, t'as fait des études de gym, toi, en fait. Mais oui. C'est oui, vrai oui. Oui, oui. C'est alors, vrai oui, on peut aller à la fac pour faire du sport et... Et porter un jogging. Et porter c'est un très jogging. Possible. Athlétisme. Et est-ce que tu trouves que c'est réaliste toi, poser des questions d'experts. J'ai envie de te dire oui, et en même temps, est-ce que pas envie de te mentir non plus, tu vois. Est-ce que dans la gestion de l'effort, par exemple... Rien à voir. Hein. Rien, ouais, voilà, rien. D'accord. Alors, prenons d'autres mis que nous. Mais où est ma manette? Ah, elle est là. Ah non, c'est toi, ça. Oui, c'est moi. D'accord. Console, oui. Oui. Qu'on se le dise. Une petite course, peut-être Chirac-Balladur, tiens. Vieux pro, Balladur. Et je valide. Voilà. Donc les mi, ça permet de faire des caricatures super. Et il y a des gens sur le net qui font des mi hallucinants. Je ne ferai pas d'imitation, personnellement. ça serait pas mal pourtant. Il y a des trucs très ressemblants. Donc là, Chirac, c'est moi qui l'ai fait. Balladur aussi, mais il y a des gens qui font Dark Vador, Yoda, Casimir. Oui, 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 il y a une chaîne de... Il y a une chaîne mi qui est super. Ouais. T'es allé fouiller un petit peu, non? Pas du tout. Moi, j'ai regardé un peu et il y a des trucs hallucinants. Il y a des concours de mi. Chacun fait le plus beau mi possible. Alors attends, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette épreuve? Donc comme tout à l'heure, on maintient B. Ah. Et quand c'est parté, c'est parté. Et ensuite... Attends, tu peux relâcher B quand tu cours. Il ne parle que... Ah oui. Non, moi je ne parle que français. Tu peux accélérer rapidement, d'accord. Appuie sur B pour franchir une haie. Voilà. D'accord. Eh bien, souhaitons-nous bonne chance une fois de plus. Bonne chance. Je suis donc Edouard Balladur. Comment ça se fait, Balladur? Je suis Edouard Balladur. C'est un truc un peu comme ça. Numéro 4. Regarde. Didier Gustin doit flipper. Il est dans sa télé. Ils disent mon poste est foutu. Je vous demande de vous arrêter. Ah, il est pas mal, mon Chirac, quand même. Très, très bon. Mi. Il l'appelle Mi, parce qu'il n'a pas les vrais noms. Oui. Mi. Ça, c'est une petite référence à Monty Python que nous faisons avec Mathias. On a nos références à nous. On espère que c'est les mêmes que les vôtres, sinon, c'est grave. Attention. Oh, voilà, très en retard. Oh là, la vache. Tu sais pas... Ah oui, d'accord. Moi, je suis sur l'écran du haut et je n'arrive absolument pas à sauter. En tout cas, pas à trop. C'est une catastrophe. Non, c'est... Non. J'ai fait un très mauvais départ et je sais pas où regarder, en fait. Ah, ça y est, ça va mieux. Ça va mieux, là. Tu crois que ce ralenti va être... Le truc le plus humiliant pour moi qu'on ait jamais vu. Mais t'es arrivé premier. Mais oui. Jacques Chirac premier, mesdames, messieurs. Un président à la retraite qui est quand même bien actif. Eh ben voilà. Et moi, j'ai dû arriver dernier, par contre. Et il est ressemblant, quoi, il fait. Grec. Attention, tu es prêt? Oui. Pour Chirac, le sport, c'est la santé. La prison, là. Il n'est pas encore en prison. Ah non, c'est vrai. Ça viendra, peut-être. Alors, on revoit... Ce départ, je vous demande de ne pas regarder Edouard Balladur qui est complètement à la ramasse. Comme le vrai, en fait, ça, c'est rigolo. C'est fidèle, hein. Oh, Chirac en pleine forme, vraiment, c'est magnifique de revoir cette cour. Je trouve ça super de pouvoir jouer avec ses mi, en fait. Parce que du coup, ça met, voilà, ça fait des trucs rigolos. Oh putain, mon Balladur, il se prend A sur A, c'est terrible. Bon, on va jusqu'au podium. On pourrait couper passer tout des ça. Heures. Ben, ah non, mais... Mais en même temps, quand on joue à plusieurs, je trouve que c'est ça qui est marrant, c'est de revoir. Revoir tous ces trucs, c'est marrant. Ah, grec. Ah, on est revenu au temps du bébé de chou.
Vous n'avez pas connu le bébé de show, c'était une émission de merde sur TF1, c'était Les Guignols de l'info mais raté, avec Jean Roucas qui faisait les voix. Stéphane Collaro. Stéphane Collaro qui écrivait les textes et quand même. Et peut-être Jean Amadou. Et sans doute Jean Amadou, exactement. Donc des textes de Jean Amadou et Stéphane Collaro, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on fait de la gymnastique? Ah ben là oui. Dit-il en. Oh, trampoline. Ah, il est bien trampoline. C'était une épreuve rigolote. Je me souviens absolument plus comment ça se joue. Ouais, c'est compliqué. Il faut faire des figures. Bon, on va voir ça. Choisissons Nomi. Qui fait bien du trampoline dans Nomi? Alors attends, on va voir ça. Alors il y a plusieurs pages de mille. Non, pas Féti. Tiens, Féti, on te fait un petit coucou. C'est un autre de nos amis. Je ne l'ai pas sélectionné, mais j'ai. Ah oh. Il faut toujours qu'il tire la couverture à lui, vous voyez, on peut pas. Ah alors François Hollande, c'est pas mal. Nicolas Sarkozy, notre président. Mon papa, ma maman. Monsieur Poulpe. Davy, oh là là, plein de gens de nos lives en fait. Notre ami Jean-Pat, Gérard Jugnot. Le cri de Munch. Il y a vraiment des gens qui font des trucs super. Tiens, moi je vais prendre le cri, voilà, pour faire du trampoline. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. C'est une bonne idée. Et toi, qui ferait bien du trampoline? Raymond DeVos, parce que quand il arrive sur la toile, je me dis... Allez, Raymond DeVos, face à Le Cri de Munch. Alors, Le Cri de Munch, on va faire un peu des trucs éducatifs, un peu sur nos lives, on va se retourner pour parler aux gens. Le Cri de Munch, vous savez, c'est des tableaux d'Edouard Munch, c'est des très beaux tableaux, très réussis, un peu flippants. Et puis, si ça ne vous parle pas, vous voyez le masque de Scream tout blanc avec la bouche qui dégouline, et ben, c'est inspiré de son fameux tableau Le Cri. Et Le Cri a la tête de ce personnage. Ah. Alors, les commandes. Voilà, c'était le quart d'heure éducatif, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ah bah vous y êtes, je suis bête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des sauts. Donc, on fait comme ça pour sauter. D'accord. Et ensuite, ça va être compliqué. Ah. Il faut faire... Ah oui, c'est ça. Il faut faire les mouvements pour faire le saut de trampoline. Pour faire les figures. D'accord. Il faut faire les figures indiquées. Et on fait ça pour sauter à chaque fois. D'accord. Et on n'utilise pas le nunchuk en fait. Voilà. C'est parti. Débrancher la manette d'extension. J'ai dit le nunchuk là ouais, oui, je progresse. Il a l'air ahuri, le cri. Allez, c'est parti. Alors regardez, je le fais sauter. Hop. Ça c'est super parce qu'on a vraiment l'impression de faire sauter le personnage. Je trouve que c'est une. Et tu arrives très très bien. Non, c'est. Mais j'y arrivais mieux la dernière fois, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je saute en l'air pour faire... Peut-être si tu avais moins d'impression, mais... je sais pas. Mais il faut... C'est une merde. J'y arrivais la dernière fois. Ah, ça y est. A, B, B, B. Il faut que je fasse la figure. B, tour, B, B. Voilà. A, B, A, B. Voilà. Si je réussis à faire la figure à chaque fois... Bon, je parle pas, t'as qu'à commenter, Mathias. Bon, alors... Je suis concentré. En fait, je pense que... C'est le... C'est un sportif de Tchernobyl, voilà. Il a... Et eux aussi, ils ont le droit de participer, après tout, il y a... Alors, il est mauvais, ça, c'est... Il faudrait... C'est marqué à l'écran. Pas très... Mais oui, alors c'est lamentable de... Bon, sur la fin, voilà. J'ai mis du temps à prendre mon envol. On va voir si tu fais mieux. Ouais, tu me mets la pression, j'aime bien. Donc là, j'ai raté, mais je trouvais ça... Ah. Raymond DeVos, ce trampoline. Il a chopé la grosse tête. Il a bien fait de choisir Raymond DeVos. Il a un peu la grosse tête, le corps n'est pas proportionné, mais... Mimi, on peut pas choisir le corps, c'est toujours... Si, on peut choisir plus ou moins gros. Ah, ah à toi aussi, tu décolles pas très très bien. Je te laisse te concentrer, hein. Je ne te parle pas. Voilà. On a joué qu'une fois, hein, donc je vous avoue qu'on n'est pas encore au top. Mais Mathias, il y arrive toujours. Ah, ça y est, Raymond DeVos s'envole et il fait des figures. Donc vous avez vu, il y a une succession de touches à faire pendant qu'on est en l'air. A, B, A, B, B. Voilà, clac, et c'est reparti. Oh. Une altitude hallucinante. Oh, c'est magnifique. Et je trouve qu'on a bien la sensation de s'élever à chaque fois. Quand on arrive à s'élever, évidemment. Oh, Raymond, c'est formidable. Super, il dit. Formidable. Oh, formidable. Didier Gustin va encore flipper, mais... Alors, ce matin, je vois un type qui portait sa voiture en bandoulière. Il me dit, vous ne savez pas comment on détache cette ceinture? Non. Bon, excusez-moi. C'était une imitation. Regarde, il est affligé, le Il est affligé, Raymond. Raymond, si tu nous regardes de là-haut... C'est pathétique. C'est pathétique, je suis d'accord. On voit quand même le ralenti. Bah oui. Parce que Mathias a assuré. Moi, mon ralenti à moi. Ouais, quatrième. Et bien, il est beaucoup plus souple que ce qu'on pensait, Raymond DeVos.
C'est cette grosse tête qui lui permet de... Ouais, il a un sac d'équilibre. Oh, tu es quatrième, je suis huitième. Ça, c'est ton truc de Didier Gustin, voilà. Oui, ça m'arrête, je suis bien pilote. D'accord. Allez, une autre épreuve. Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve sympa? En fait, est-ce qu'on aime bien le jeu ou pas? Est-ce qu'on est déçu ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, en fait, tout dépend de tes amis. Oui, c'est vrai. Et là, on se rend compte que le jeu n'est pas très bien et je vais peut-être partir, en fait. Non, ça dépend des épreuves. Le tir est chiant, par exemple, c'est assez long. C'est... On va pas vous le faire voir, d'ailleurs. Non, ouais. Parce que c'est jamais qu'un jeu de tir tout bête, vous savez, on vise l'écran et puis voilà. Donc, et ça prend des plombes. Donc, le fond, on était 4. Je crois qu'il doit y avoir 12 ou 20 tirs à faire chacun. Ça prend une éternité, c'est un peu pénible. Ouais. C'est rigolo sur les courses, les trucs où il faut aller vite et tout ça. Si t'as une gastro, par exemple, tu peux pas. Tu peux pas. Alors que les épreuves là, normalement, sont assez rapides pour que tu aies le temps de... Choisis ton mi. Oui, c'est vrai. Alors que si on a une gastro, le tir est bien. Parce qu'on a le temps d'aller aux toilettes pendant que les autres jouent. Je suis pas d'accord. Parce que si toi, tu participes au moment... Oui. L'épreuve est trop longue. C'est vrai. J'ai pris quoi? Natation. Qui nage bien? Régis Lespalès. Un Stormtrooper de Star Wars. Regardez, il y a vraiment des trucs superbes. Albert Einstein, Peggy la cochonne, V de V pour Vendetta, Jack Black, très réussi Jack Black. Un mec a dessiné un pingouin sur un visage d'ami. Moi je vais prendre le Dr Zoidberg de Futurama, je pense que lui il nage bien, forcément, c'est une sorte de poulpe. Voilà, et toi qui vas-tu prendre? Eh bien, je ne sais pas encore. Donc oui, on a passé une bonne soirée en jouant tous les quatre avec ce jeu, on s'est bien marré. On trouvait que le maniement n'était pas toujours évident. Et pas toujours très logique en fait. On le verra avec le javelot et le marteau qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Mais voilà. Par exemple, on se dit on pourrait tenir le javelot avec la gâchette et lâcher la gâchette pour lâcher le javelot. En fait, c'est l'inverse, il faut appuyer, je crois. Enfin, je sais pas. 100 mètres nage libre. Ah oui, il faut remettre la Wiimote. Le Nunchuk. C'est plus. Mais comme souvent en fait, c'est plus le côté convivial qui marche. C'est vrai que ça marche bien. Après, au final. Du gameplay. Je pense qu'il y a encore un moyen de... Ce qui est important, c'est que tout le monde soit au même niveau. C'est-à-dire que personne, il n'y en ait pas un qui est joué comme un malade et qui connaisse tous les trucs. Il faut que tout le monde découvre en même temps, sinon c'est pas très bien. Alors regardez, par exemple, pour faire du crawl, il faut faire comme ça. Pour faire de la brasse, il faut faire comme ça. Pour faire la nage du chien, comme ça, je crois. Enfin voilà, donc chaque personnage a son style de... pour remuer la queue pour faire le chien. Donc, on se concentre avec la gâchette au début pour bien partir au taquet. Et après, on nage. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? C'est curieux. C'est la nage croco. Voilà, les crocodiles entre eux, peut-être. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Il faut pas qu'on dise de cochonneries, parce que regarde, c'est... Voilà. 3 ans et plus, pour une fois qu'on fait un jeu qu'on peut diffuser en journée, faut éviter les vannes graveleuses et tout ça, tu vois. Mais oui. Non, c'est pas notre... C'est ça surtout pour moi. C'est pas notre style. Bon, c'est pas notre genre, non? Non. Alors, allons-y. Le docteur Zoidberg, qui fait du crawl. Donc, moi, mon mouvement, ce sera ça. Voilà. Je pense que tu peux... Je peux changer, d'ailleurs. Oui, ben... Mais j'ai pas réussi. D'accord. Et Régis Lespalès. Parce que tu vas faire du crawl aussi. C'est pour que tu fasses des imitations. Tu peux changer le... Ah bah oui, Régis Lespalès, je le tiens bien. On va nager. Allez, attention, on se concentre. Et c'est parti. Allez. Qui nage? Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ah oui, mais alors il faut reprendre la respiration. Ah oui, c'est vrai. Alors je ne vois même plus mon personnage tellement il est aux fraises. Ah, le revoilà qui revient, le Dr Zoidberg. Ça ressemble un peu à Fétis, le Dr Zoidberg, du coup. Ça va lui faire plaisir. Faire plaisir. Alors attention. Oh, regarde. Oh, j'étais pas mal. Ah oui, mais là... Ça y est, je double Régis Lespalès sur la fin du bassin. Allez, allez. Allez, dépêche-toi, sinon je te fouette. Voilà. C'est pathétique la natation. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné. Enfin, gagné. J'ai arrivé avant-dernier et toi dernier. Le docteur Zoidberg. J'ai envie de pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais moi, je suis un amphibie. C'est normal. C'est normal que je réussisse. Attends, je peux regarder quand même quand il va être sur le podium. Parce que quand même... Oh là 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 là. Oui. Mais va-t-il seulement y être, puisqu'on est dernier? On est les deux derniers. Non, mais on va s'incliner. Donc, d'où l'intérêt de jouer avec des amis? C'est qu'on arrive dans des meilleurs... Mais je n'ai toujours pas compris cette épreuve. Cette épreuve? Ben, normalement, là, on a fait que 100 mètres. Mais quand il y a 400 mètres, tu dois changer de nage à chaque longueur. Mais c'est la respiration, là, le B. Faut appuyer en dessous pour respirer. Je ne sais pas. Bon, c'est pas très intéressant, le ralenti de la nage. Par contre, Régis Lespalès sur le podium, ça, c'est bien.
Allez, je voulais faire lancer de javelot et de marteau. Pourquoi le jeu vidéo en fait? Bah, je t'écoute, parce que je me dis, dans le porno mais... c'était déjà prêt. Non, je rigole. Oh, oh là là, interdit au moins de 3 ans, non. Dès qu'on... Oh non, voilà, c'est gâché. C'est foutu. Non, mais là on a rien dit, on peut le diffuser une heure. Allez. Bon, alors, pourquoi jeu vidéo? Parce que j'adore ça, évidemment. Penses-tu, évidemment. C'est quand même. On est payé pour jouer dans notre métier. Parce que Mathias fait le même métier que moi. Quand on fait ce métier, on a des amis. Avec Mathias écrit des jeux sur MCM, par exemple. Côté présentation. C'est lui le gars qui vous fait rire. Côté bonne tenue. oui, mais tu agis dans l'ombre, mais tu agis bien. Et puis aujourd'hui, tu es dans la lumière, enfin ! Il était temps. Alors j'ai pris quoi ? Escrime ? Et bah V pour Vendetta, voilà. Pas mal. Hein ? Lui, on pense que c'est un escrimeur. Voilà. Ah ! Une super BD d'ailleurs, V pour Vendetta. Et du coup ? Et un très bon film aussi. Un personnage s'impose à opposer à V. Nicolas Sarkozy. Eh oui, très bien. Il fallait un physique de traître. Voilà. Et ben voilà, on l'a. Je ne sais pas imiter Nicolas Sarkozy. Tu veux faire toi? C'est la journée Didier Gustin. Je pense que t'as quand même mis la barre suffisamment haute pour que c'est vrai. Alors je le dis fermement, hein, mais avec un petit sourire. Voilà. C'est con tout de même extraordinaire ça. Hein, il faut que je fasse Carla Bruni. Remarque, hein, maintenant quand les gens vont me lancer des pierres dans la rue, je me dis tiens, je comprendrai. Je dis, oui, ils ont nos lives, ils tombent. Alors, j'ai pas regardé les. Ah, non. Allez, on s'en fout. Bon bah faut faire des mouvements d'escrime, voilà. C'est ça toujours hein, l'intérêt de la Wii, c'est de faire les manettes. Ah. Alors Sarkozy contre V, et ensuite le gagnant ira affronter un héros de Nina. Il a vraiment une tête de traître, de cap et d'épée, c'est parfait. Alors. Allons-y. Je crois qu'on peut parer avec le A, faire des petits, voilà, des petits coups comme ça. Et avec le Nunchuk, tu avances ou tu recules. Et comment veux-tu que... Ah non, en broche. Ah non. Ah non, oh non. Oh non. Oh non, non, non. Oh là. Il faut absolument qu'on garde notre certification au moins de 3 ans là. C'est important. Vache. Alors c'est un peu violent, mais c'est tellement rigolo. Ah, pas mal. Mais oui, mais j'arrive plus à contrer tes coups. Je crois que c'est le bas. Ah, regarde, j'étais un peu. C'est le bas, oui. Ah oui, t'as raison. Hop. Ah oui, une esquive. On peut faire des feintes aussi. Ah, tu me touches à la gorge carrément. Et non, mais en même temps, 6-12, j'ai de la marge, je crois. Oui. J'arrive plus, moi, j'arrive pas à parer. Donc on peut parer, mettre des coups d'estoc, peut-être des petits coups sur le côté aussi. Avancer, reculer. Voilà. C'est pas très complet, mais c'est pas non, mal. Ah non, mais. Un bon escrimeur comme V battu, je suis déçu. Bah oui, mais l'autre il est à fond aussi. C'est vrai qu'il est à fond. Oui. Allez, on va voir ce que tu donnes contre Mario. Ah. C'est bien qu'on voit parce que c'est quand même Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Le plombier polonais. Face au. Pourquoi c'est moi? Mais oui, parce que c'est la. Mais j'ai gagné. C'est la petite finale, on appelle ça. Ah bon, alors attends, on va s'en aller alors. Hein, on va quitter. On va faire une dernière épreuve. Une dernière. Parce qu'il va être temps de vous quitter quand même. Mine de rien, je pense. Oui, c'est vrai, vous êtes là. Voilà, on espère que ça vous aura plu, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Nous, on a bien aimé. Nous, on a bien aimé, mais il faut être. À 4, c'est mieux. À 4, c'est mieux, voilà. Mais on n'avait pas la place sur le canapé aujourd'hui. Tennis de table, non. Oui, ping-pong, c'est pas mal, hein, le ping-pong. On va essayer. À lancer un mais javelot. Mais oui, c'est ça que je voulais. Marteau ou javelot? Allez, marteau, ce sera rigolo. Marteau, c'est un peu comme le. Tu sais, la vache dans les lapins crétins. Dans les lapins crétins. Le premier. Oui, c'est vrai, c'est le même principe. Ah d'ailleurs, toutes mes excuses pour les lapins crétins, il faut que je leur parle un petit peu aux téléspectateurs. Parce que je me suis trompé dans les touches. Alors j'ai dit, ouais, lapin crétin, c'est pas jouable, les touches sont pas bien faites, et en fait c'est moi qui tenais pas la manette dans le bon sens. Donc Alex Pilote me l'a fait remarquer pendant l'émission, encore fêti, mais... Il essaye. On l'aime bien, mais il aurait pu venir aussi. Gaston Lagaffe, tiens. Prendre Gaston Lagaffe, c'est le marteau. Je sais plus ce que je disais du coup. Tu parlais de. Tu t'es trompé. M'étais trompé dans les lapins crétins. Mais heureusement, tu sais t'entourer. Exactement. Alex Pilote me l'a fait remarquer. Ah, et vous avez été nombreux à me rebalancer des mails derrière pour me dire que je m'étais trompé dans les lapins crétins. Donc, toutes mes excuses. Ça ne se reproduira plus. Là, par exemple, on va vraiment assurer. Alors, qui donc on a alors, bah, jusqu'au bout, il y en a peut-être qu'on n'a pas vu encore. Il y avait Dark Vador, oh regarde Casimir, c'est pas mal. Casimir au lancer de marteau, Hannibal Lecter en bas, Yoda. Moi j'aurais le général bien pris Hulk Hogan. Hulk Hogan, bien sûr, au lancer de marteau. Au lancer de marteau.
Allez, on lance le marteau une fois chacun et on vous dit au revoir juste après. On peut peut-être se finir... Se finir comment? Là-dessus. Sur le marteau, peut-être. Non, on le lance quand même pour faire voir. Alors, les commandes, lisons-les rapidement. Rapidement. Alors, il n'y a pas besoin du nunchuk. Non. Tu appuies pour faire pivoter le marteau, tu fais pivoter la... comme ça. Et tu appuies sur B pour lancer le marteau. D'accord. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bizarre d'appuyer sur B alors qu'on a envie de tenir B et de le lâcher au moment du lâcher le marteau. Allez Gaston, premier essai, c'est parti. J'appuie sur A pour faire tournoyer. Et maintenant, regardez, je fais le geste. Essaye de ne pas me blesser. Essayez. Et au bon moment... 3, 2, tu peux encore faire un tour, je crois. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu gagner un tour. Tu sais combien de mètres? 86 mètres. Ou 84. Le record mondial est de 86. Ah mais je n'ai fait que 48, d'accord. Je lis mal les données. Ah, une On sent l'expert en marteau tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, il faut faire attention de ne pas blesser vos amis, vous voyez, vous êtes un peu reculé. Parce que ça peut vite mal tourner. Oh, très beau. Alors, le record officiel on en est loin encore. De 84, record mondial 86, et toi, tu as fait 62. Déjà, c'est mieux que moi. Mais ce que tu soulevais, là, avec cette histoire de relâcher, c'est très typique des jeux Wii pour l'instant. Oui, c'est pas toujours très instinctif. Oui. Je suis bien d'accord. Appuie sur R que je puisse lancer mon marteau pour finir. Oui. Oui, c'est vrai qu'on s'attend à un truc et que c'est pas forcément ça. Et c'est un peu bizarre des fois. Allez, je lance une dernière fois mon marteau. Allez, Gaston. C'est parti. En fait, faut attacher la Wiimote, la Dragon, pour pas se la prendre dans l'œil. Vous voyez le geste que je fais là, par exemple. Voilà, c'est lamentable. Si je fais ça comme ça, regardez, paf, je vais me la prendre dans l'œil à un moment ou à un autre. Donc faut vraiment l'attacher la dragonne. Voilà, c'était le conseil sécurité du jour que nous avons donné avec mon ami Mathias. Merci d'être venu Mathias. Mais c'était un plaisir. C'était un bonheur, comme chaque fois qu'on joue et qu'il n'y a pas de caméra. Voilà. Nous on se retrouve pour un prochain chez Marcus. Sans moi. Tu reviendras. Je pense que Mathias était venu d'ailleurs, on avait joué à quoi? Halo 3. Halo 3. C'était lui au téléphone, souvenez-vous, si vous êtes un fidèle de No Life. Voilà. Ça c'était bon. Il parlait comme ça. Ouais. Mais il parle mieux en vrai. Voilà. Bon allez, ciao, à bientôt petits amis de No Life pour de nouvelles aventures. Et merci mon ami. On s'embrasse beaucoup dans le. Oui, c'est le showbiz, c'est comme ça, c'est la tête. Ah ouais. Mais tu vas quand même m'en foutre un coup dans la tronche. Ha ha ha!